Bonjour à toutes et à tous. Abraham est le plus connu des patriarches de la Bible. Son histoire commence dans le livre de la Genèse, un personnage qui est universellement reconnu pour ses valeurs de foi, d'espérance et d'humanité. Avec le rabbin Moshe Sebag, nous allons aujourd'hui revivre cet épisode biblique. Bonjour. Rabbi Moshe Bonjour Steve. Pour commencer, dans quelle région vivait Abraham et qui était son père, Terah Alors, Abraham, on peut dire né à ur si on caldéen, Irak. C'est une ville qui s'appelle our Ur donne une connotation du feu. Abraham avait deux frères, Haran et Nachor. Et le père Terah décide de quitter la ville de Our pour aller vers la terre de Kénan. Mais il arrête sur le chemin dans un endroit qu'on appelle Haran, juste avant de rentrer à la terre d'Israël. La question est bonne parce que on peut essayer de comprendre quels est les points de départ d'Abraham. La Torah raconte très peu. On sait d'où il est parti, où il est né, où il est arrivé avec son père Terach, et puis les fameux appels de Dieu, la révélation va pour toi, quitte ton pays, ta maison, et allez vers la terre que je t'indiquerai. Qui était Avram Qui était Terah? D'où il vient Ça, c'est intéressant de comprendre que Avram est le descendant des Chem, Sémites. Et Sem, un des descendants des Sem, il s'appelait Éver. Éver, cela veut dire ivry, Hébreu. Et Abraham va porter un message qu'on appelle le message des Hébreux. Abraham, il ne faut pas oublier qu'il a, qu a vécu quelques générations après le déluge. L'histoire d'Abraham vient après la tour de Babel. Qu'est-ce qui se passe à la tour des Babel On décide de construire une grande ville où tout le monde va parler la même langage. Qu'est-ce que ça veut dire langage Même idéologie, même pensée. Il n'y a pas la diversité. Et Abraham, il doit faire un équilibre entre les nations. Ça veut dire qu'il y a deux nations qui pensent différemment et éviter une pensée homogène. Et on va avoir plus tard, lorsque Dieu lui a dit d'aller vers la terre je t'indiquerai, il dit que par lui seront bénies toutes les familles de la terre. Cela veut dire qu'il va prendre des nations différentes, 70 nations, toutes les nations, Et il va essayer de créer une famille. Et là, il doit créer une nation qui a une responsabilité d'être un exemple, d'influencer un humanisme exemplaire. Abraham a, a 75 ans, il a épousé Sarah a recueilli son neveu, Lot, et Dieu lui parle. Il lui dit quoi C'est ce dont on parlait tout à l'heure, cette fameuse paracha qui s'appellera Lecha. Il faut quitter la maison de son père. Il faut quitter la culture où il est. C'est très intéressant parce que Abraham et Sarah, qui s'appelait Sarai avant, comme Abraham-Abraham, ont commencé à diffuser, à enseigner l'idée monothéiste qui a un seul Dieu. Nos sages racontent euh, des histoires importantes. Comment Abraham est arrivé à cette idée monothéiste Ça veut dire qu'il déduit par lui que c'est impossible, qu'il y a la lumière allumée et que personne euh, l'a allumée. Mais il voit ce qui se passe dans le monde, il voit influencer, il voit enseigner. Mais qu'est-ce qu'il fait il enseigne tout le monde, il enseigne, il diffuse. Transmet. Il transmet. L'idée, c'est d'arriver de, de, à la terre d'Israël, d'enseigner, de rassembler de gens de toutes nations. Ça veut dire que des nations deviennent une famille, très différente. Et Abraham, il doit quitter pour aller vers où Vers lui-même, parce qu'il va tracer un, un nouveau chemin. Qu'est-ce que ça veut dire aller vers vous-même Il va tracer un autre chemin de l'humanité. Celle que plus tard va nous enseigner qu'il n'y a pas d'esclavage. Oui, n'est-ce pas Celle qui va nous enseigner peut-être il y a les pouvoirs, la puissance, mais n'oublie pas les pauvres, les orphelins, une veuve. Ce qui va nous laisser que, contre l'ignorance, il faut bâtir des écoles. Ce qui va nous enseigner, plus tard, c'est tout ça, c'est Abraham, c'est ça qui va tracer. Je pense que tout cela, Abraham commence le chemin vers la terre, où il devra enseigner et découvrir son rôle. Ce n'est pas facile, parce que lorsque vous devenez un leader, vous allez avoir beaucoup de gens qui sont contre vous. Et des fois, vous serez... Très seul, c'est une grande solitude. Mais il faut croire pour tracer un chemin pour l'humanité. Vous ne pensez pas que la liberté, dans le sens noble du terme, c'est d'avoir le choix de se choisir un maître et que Abraham peut-être choisit que son maître sera Hachem et donc Dieu. C'est ce qui fait que quand il entend ce texte, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Ce verset 2 du chapitre 12 de la Genèse annonce peut-être déjà la grandeur du destin d'Abraham. De son sens sacré, de son chemin, non mm -hmm. Lorsque vous lisez en hébreu, il n'est pas écrit vehidbarhu becha kol adama Cela veut dire par toi, toutes les nations sont bénies. Il est écrit venivrechu C'est deux choses différentes. C'est Que veut dire Venivrehu"? Il y a une une action pour faire pousser euh, un autre arbre à partir d'un arbre, arbre. Par exemple, la vigne. Pour faire pousser la vigne, donner une autre vigne, on prend, on prend la branche de la vigne, qui est très souple, on va la pencher, on va planter dans la terre. On appelle ça la greffe, je pense. Et en hébreu, avracha. Ça veut dire, à partir de cela, on va faire pousser un autre arbre, un nouveau arbre. Et je pense qu'Abraham est là pour essayer de greffer un petit peu toutes les nations pour, pour donner un autre fruit pour le monde. Mais quoi qu'il arrive, même... Lorsqu'il est âgé et que son voyage, que cette mission s'avère euh, longue, risquée, il l'obéit sans jamais une hésitation. En tous les cas, c'est le sentiment qui nous donne à l'ordre du divin. Pourquoi Parce qu'il a une émouna qui est en lui depuis sa naissance, parce que ses épreuves de vie. Lui ont fait rencontrer une forme de emouna parce que tout d'un coup il a senti son sens sacré de ce qui était sa mission dans la vie. À votre avis Je pense qu'Abraham est l'homme de la foi parce qu'il découvre à travers de sa vie y a un maître dans son univers, dans, dans l'univers. Il découvre en marchant, en allant vers l'autre, en regardant le merveille du monde, mais surtout il découvre à travers des épreuves. Et ça c'est très difficile. Parce que c'était un pionnier. Il sait qu'il faut continuer, il ne fait pas attendre qu'est-ce que Dieu fasse pour moi. Il faut dire qu'est-ce que moi je peux faire pour le monde. Il y a la justice céleste. Il mais il y a aussi la justice terrestre. Dieu attend à l'homme de faire l'humanité sur terre. Les gens, ils attendent que Dieu règne l'humanité céleste sur terre. Non. Il nous a donné cette liberté. Il a créé le monde. Il a créé l'homme. Et là, c'est à nous de bâtir le monde. Dans l'histoire, comme dans la Bible, la révélation de Dieu veut dire un tournant de l'histoire. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Et à partir que Dieu s'est révélé, on commence à notre histoire. Qu'est-ce qui se passe avec Avram Est-ce que Avram y va vers la terre des Kénan, de Kénan à partir du moment que Dieu s'est révélé à lui Non, parce qu'on vient de raconter que son père, Terah a fait le chemin vers Kénan. Ça veut dire Avram était sur le chemin. La révélation de Dieu à Abraham lui dit, je confirme le chemin que tu fais. Ça veut dire c'est entre la liberté de l'homme et c'est Dieu qui dit, c'est bien votre liberté. Donc, dans la liberté, vous allez vers le bon chemin. Il faut faire attention parce que plus tard, avec Abraham, on va voir aussi l'épreuve de la ligature d'Isaac. Alors, est-ce que l'homme croyant est libre parce qu'il doit être assumé sur la demande de Dieu. Et On va voir aussi qu'il y a le moment de la destruction de Sédom et Gomorrhe. L'Abraham, il réagit, non, tu ne peux pas détruire cette ville, peut-être qu'il y a des justes dans cette ville. Où, la, où, où est la justice Ça veut dire qu'il y a la liberté, mais il y a aussi l'écoute de l'ordre. Alors, est-ce que l'homme est libre est ce qui n'est pas libre que veut dire croire? La croyance en Dieu, c'est aussi une liberté intérieure. On ne peut pas l'atteindre tout de suite. Mais c'est ça entre Abraham qui voyage devant Dieu qui aussi qui assume, assume ce que Dieu lui demande. Merci, rabbin Moshe Sebag, de nous avoir éclairé sur ce personnage si héroïque, si volontaire, si évocateur d'un. D'un comportement, d'une attitude euh, tellement digne. Le cadeau d'être là, c'est peut-être regarder l'autre, avoir un rapport à l'autre qui soit exceptionnel, parce qu'il le mérite, et lui montrer la meilleure partie de soi-même. Donc Abraham fait partie de ces héros aujourd'hui dont on se sert pour créer des personnages en littérature, ou même des personnages de films, ou même un exemple à suivre pour euh, faire de ce qu'on a à faire un monde meilleur. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.